Donc ça s'appelle, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va jouer Kra Full AJ. Le truc que j'ai déjà fait il y a quelques mois, il y a quelques années. Kra Full AJ nébuleux. On peut jouer soit avec la dévorante, soit avec la massacrante, faudra voir. Et on est parti du coup, full bourrin évidemment. Vous connaissez les bails. 3700 points de vie, donc ça va taper très très fort. Allez, Zeberti contre un Sadida. Qui joue en Dorikami, Domakuro, là je vois écrit, très bien, il a que dalle de raise, hein. Donc si j'arrive à le choper, lui, c'est, je l'explose, hein. Si j'arrive à le choper tour 3, ça peut être un one turn. Ça sera pas vraiment un one turn, parce qu'à mon avis, on va forcément le taper, un petit peu avant. Parce qu'avec Kra, c'est quand même facile de taper avant, même s'il va mettre des invoques devant lui, peut-être. Est-ce qu'il contrôle ses invoques? Oui. La sacrifiant, on peut l'exploser instant, par exemple. Si on peut clean un peu les invoques, ça peut être cool. Ça peut être cool, hein. Je vais regarder un petit peu, mais... Avec flèche dévorante notamment, il peut avoir des trucs à faire. J'ai pas une portée de fou sur le mode, hein. Clairement le mode n'est pas ultra viable, mais c'est vraiment un mode avec le plus d'agi possible quasiment, donc c'est pour ça que je le mets. Là hop, on va essayer de tuer un petit peu toutes les invoques. Hop là, nickel. Là je peux refaire un spell pour tuer, je peux limite baliser, hein, j'ai pas la portée, je vais essayer de faire une zone. Franchement je vais claquer tous mes PA pour les invoques, c'est pas très grave, de toute façon tour 1 on n'a pas grand chose à faire. Peut-être mettre une balise pour me détacler au cas où. Quoique, peut-être plutôt aggro, hein. Justement, s'il recule, au moins je pourrais aller vers lui. Le but de tour 2, de toute façon, ça va être de le représailler. Et si je peux mettre une massacrante, c'est parfait. Comme ça booste pour le prochain tour. Mais voilà, c'est un peu le but au tour 2. Si je peux massacrante et représailles, c'est parfait. Et le truc, c'est qu'on est agi, donc on a beaucoup de fuites. Donc en théorie, il aura beau nous tacler de ce que tu veux, on sera pas attaqué, justement. Donc ça peut être sympa pour nous. Il nous retire pas mal de PM. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Une folle, ça peut être chiant pour le retrait PA. Et il va peut-être mettre un arbre. Ouais, mais pourquoi il met l'arbre ici? Je sens que je vais être swap. Tant mieux pour nous, parce que c'est-à-dire qu'on pourra le pousser. Enfin, je sais pas, on va voir. La folle qui passe à moins 2, ça c'est pas terrible pour nous. Je regarde, mais je peux pas tout faire malheureusement. Parce qu'il faudrait. Le mieux, ce serait de le représailles plus massacrante. Je peux pas faire les deux, j'ai pas assez de PM. Après, je peux tenter de ne pas représailles. Hein. C'est le plus risqué. C'est de recul massacrante en gros, et je représaille pas. On peut tenter. Alors on prend des risques pour la vidéo, c'est fine. Donc là on met la massacrante pour la booster, bim, et on va même aller, on va le pousser un petit peu. Bon, il y a la folle qui va nous choper, mais après, vu qu'on n'est pas taclé, si on peut le choper avec deux massacrantes, pour moi c'est bon. On peut vraiment le tuer direct. J'ai mis l'acuité absolue également, mais je pense que la folle va nous virer des PA. Donc on verra bien. Mais là vous voyez, le tour 3, 300 d'agi, 20% de dommages finaux, donc si j'arrive à le choper, c'est... Instant explosion, enfin, surtout que le mec a 10% R quoi. Mais bon, en vrai, il aurait beau avoir 30%, je pense qu'il se fait exploser quand même. Hein. Il va nous mettre plein d'arbres. Une surpuissante. Mais en vrai, là, il a troll parce que sa folle ne peut pas me retirer de PA. Donc la seule chance où je suis dans le mal, c'est s'il me retire tous mes PM. Mais j'ai quand même un peu d'esquive. Parce que là, la folle peut pas me retirer de PA. Donc en fait, moi, j'aurais 11 PA. J'ai juste allé ici, acuité absolue, et faire mes deux massacrantes. Mais est-ce qu'il a un ivoire? Il a pas d'ivoire. Donc je pense qu'on l'explose là. Hein. Ça va être assez marrant d'ailleurs. J'ai pas le temps de me tirer puissant, mais c'est pas grave. Le plus important, ah j'aurais pu sentinelle aussi, mais là je pourrais pas à mon avis. Donc ouais, je pense que je vais juste aller là, acuité. Et ça go massacrante, alors je sais pas si ça le tue, mais... Ah si, ça le tue, hein. Après c'est parce qu'il a vraiment pas de raise, mais... Bim, 1500. Ah ça le tue pas forcément, ça dépend du jet, après j'ai pas beaucoup de crit, hein. Ouais non, j'ai que dalle de crit. Bon, est-ce que ça le tue ou pas, ça dépend du jet. Pas d'œuf. Mais bon, on lui a mis du moins 3000 au calmito. Et en vrai on n'est pas encore mort, donc c'est fine. Comme d'habitude, je joue pas contre des monstres, mais c'est normal les frérots, je joue avec un mode de 3700 points de vie qui n'est pas viable. Je vous l'ai dit, le jour où le 1v1 sera plus intéressant, qu'il y aura des meilleurs, je sais pas... Il y a un ladder en 1v1, c'est pas mal, mais je sais pas, le 1v1 m'intéresse pas trop tryhard, je préfère largement tryhard dans 3v3, oula il a fail. Mais le jour où il y aura un 1v1 qui m'intéresse plus, je ferai plus de tryhard et tout, mais... C'est pas forcément... Enfin, dites-vous vraiment que, le 1v1 tryhard, ce n'est pas fun, hein. C'est des combats qui sont super longs. C'est les mêmes tours en boucle pendant 25 tours. De temps en temps, t'as des combats bien, hein, très clairement. De temps en temps, je sais pas, une fois tous les 5 combats, t'auras un combat qui va être vraiment serré, intéressant. Mais la majorité, ce n'est pas drôle. Voilà, je vous le dis, parce que ce genre de combat-là, même si c'est des combats un peu no-brain et tout, c'est beaucoup plus fun, quoi. Bon, bah là, d'ailleurs, on est un peu dans le mal pour faire le kill, parce qu'on n'a pas beaucoup de sorts. Il y a ça. En vrai, je peux juste faire ça, je pense. Je vais ici, balise, concentration. Et normalement, on va le terminer tranquillou. Hop là. Heureusement qu'il a que dalle de réserve, quand même, hein. Et bon, je pense que ce genre de truc, ça peut bien fonctionner contre les Yop. Tu leur mets une représailles et après tu les fumes le tour d'après, ça peut être pas mal. On va enchaîner. Attends, je vais montrer le stuff quand même avant. Donc le petit stuff, full bourrin, coiffe d'Alistair, on va la dissocier quand même, voilà. Coiffe Alistair, Dofusteuse. En vrai, c'est un stuffer ultra classique, la seule particularité, c'est la Dofusteuse, quoi.
Ouais, franchement c'est ça. Après j'ai mis vraiment le maximum de damage pour nébuleux, les trophées agiles, le Vulbis qui peut proc de temps en temps, le petit blaireau doudou. Donc voilà, tout simplement, le stuff est pas très compliqué. Et sur le tour 3, si t'es bien boosté, tu peux monter très très haut. Après, franchement, c'est compliqué d'avoir tous les boosts parfaits sur Kra. Parce que le mieux, ce serait d'avoir genre tir puissant, que tu aies une flèche massacrante le tour d'avant, et que le tour d'après, au tour 3, t'arrives à mettre une sentinelle et deux massacrantes. Tu vois, c'est un peu dur d'avoir tout. Mais même si t'as un petit boost en moins ou quoi, c'est pas grave, hein, tu vas quand même faire mal. Mais là, tu vois, je peux monter à 2500 dégâts facilement, sans problème. Donc ça, c'est cool. Voilà pour petite vidéo Crafoulagie. En plus, c'est bien, il n'y a pas que Massacrante. Hein. La Dévorante, je ne l'ai pas trop utilisée, mais ça peut faire très très mal aussi. Et la Dévorante est plus facile à utiliser parce que bah, c'est pas que en ligne. Mais ça, j'avais déjà fait plein de vidéos avec. Je pense qu'il y en a certains qui se rappellent. Petite vidéo de Cra Massacrante avec les items de classe et tout. Ça a déjà été fait pas mal de fois, ça, sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on enchaîne avec d'autres combats. Allez, on est parti contre un petit TK Flip avec notre Cra full bourrin. On va essayer donc encore une fois de jouer autour de la dévorante, de la massacrante, faut voir ce que propose les Kaflip également en face. Mais le but de jeu, ça va être de représailles tour 2 si possible, comme ça on est quasiment sûr de mettre un tour 3. Après là, attention contre Ekka, il y a le contre-coup, il y a l'odorat, il y a la chance d'Ekka qui peut tomber et qui peut nous poser quelques problèmes. Roulette PM, ça tant mieux pour nous en vrai. Tant mieux pour nous. Faut pas oublier que dès le tour 1, on est bleu, donc en vrai, dès le tour 1, on peut faire mal. Hein. Surtout que là, il s'expose beaucoup. Donc faut pas hésiter à dès le tour 1 lui mettre un gros coup de pression. Peut-être qu'on va essayer de faire. Est-ce qu'il a du tacle? Non. Ah là clairement je pense que je vais pas hésiter. Hein. On va mettre la balise de rappel comme ça. Flèche concentration. Bim. Ah j'hésite à massacrante. En vrai dévorante je pense que ça a plus de value. J'avais même pas besoin de m'avancer autant mais c'est pas grave. Je pourrais flèche de recul également en réalité. Peut être pas mal vu qu'il va sortir d'odorat il me semble. Non flèche de recul je pense que c'est bien. Il va sortir d'odorat. Il me semble qu'il avait odorat. Ouais voilà. Donc c'est pas mal comme s'il est pas trop proche de moi. Au cas où c'est un Ekka Flip mêlée, donc ça c'est parfait. Ah la classe Kra quand il n'y a pas de pre-tech dans les combats, qui est je pense une classe très très forte. Puisque c'est un des counters du Kra, je pense, dans le genre de colis 1v1. Vous pourrez confirmer peut-être, mais je pense que les pre-tech, bah vu que ça counter la classe, enfin ça counter la classe, tant mieux hein, qu'il y ait du counter, mais ça ralentit les Kra pendant les propres premiers tours là où elle est forte. Heureusement que ça existe. Mais vraiment les pre-tech, je comprends que les gens se plaignent parce que les gens se plaignent quand il y a. Enfin il faut se plaindre quand tu joues contre un mec en pre-tech et que t'en as pas, ça ok. Mais en réalité, le pre-tech est une bonne chose pour le jeu si les deux en ont un, tu vois ce que je veux dire. Et si les deux en ont pas, c'est équilibré aussi. C'est vrai que quand tu joues contre un mec qui en a pas et toi t'en as un ou l'inverse, c'est un peu le bordel, là j'avoue. Bon, on représaille. J'arrive pas à parler et me concentrer en même temps. On va charger la massacrante, on va mettre une petite dévorante. Et là, on est bien prêt pour le prochain tour. Ah, et il peut nous faire chier hein, parce qu'il peut contre-coup, il peut odorat, il peut chance des cas. Donc en vrai, ça m'étonnerait, à part s'il sous-cote, ça m'étonnerait qu'on fasse un kill maintenant. Si on fait un kill maintenant, c'est que le mec sous-cote nos dégâts, qu'il a pas fait gaffe que j'étais en nébuleux. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Parce qu'il a 2000 points de vie. On n'est pas très bien, mais bon, s'il se protège pas, on le tue. Ouais, il se protège pas. Donc voilà, honnêtement, je pense qu'il fait pas attention, il est pas concentré. Parce que si tu cliques sur moi, tu vois Dofusteuse nébuleux, tu ne peux pas faire ce qu'il vient de faire. En plus là, je vais one-shot son chaton. Regardez-moi les dégâts de la fameuse... comment t'appelles ça, massacrante, dévorante, pardon. Mais là, tiens, ce qu'on peut faire pour s'amuser un petit peu, c'est sentinelle. Sentinelle, je dévorante sur le chaton, ça le tue, ça me libère la ligne de vue, et je mets quasiment 2000 dégâts hein, sur du 1500 dégâts sur du 30%. Et après, j'ai ma fameuse ligne avec massacrante. Là, on le tue. Bon, les Kaflip étaient pas très concentrés. Ils regardaient un live à côté, je sais pas, regardez les Worlds de LoL, parce que c'est les Worlds de League of Legends en même temps, là. Peut-être, c'est possible. C'est une bonne excuse, mais sinon, gros, vraiment un conseil, hein, quand vous êtes en 1v1, tout con, mais... Cliquez sur votre adversaire, regardez un petit peu, est-ce qu'il a des Dofus, est-ce qu'il a... Je sais pas, essayez d'analyser un petit peu comment il joue, parce que là c'était prévisible. En soi, si tu cliques sur moi, je lance le combat, bim, tu vois bien que je suis en Dofusteux, je le cache même pas. Tu vois bien que j'ai un nébuleux, c'est écrit dans le chat. Donc, tour 3, tu sais très bien qu'il faut te protéger, surtout que t'as une classe qui peut le faire. Encore si tu joues un Yop et tout, tu sais, t'as pas trop de protection, ok. Tu joues Ekka Flip, tu peux contre-coup, tu peux chance des cas, tu peux Odora, tu vois, c'est un peu dommage. Mais bon, là je pense qu'il était juste pas concentré. On va enchaîner avec un prochain combat tout de suite. En tout cas, les dégâts étaient corrects. Et on est parti en Kra contre Kra. Je vais plutôt m'étirer éloigné, je pense. Puisque si je prends une œil de taux, je vais rien faire. Et balise tactique. Et on va essayer de voir ce que ça donne ce match-up Kra contre Kra. Bon, je pense que c'est le genre de match-up qui va beaucoup se jouer à l'initiative. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Il suffira dans mon tour, bah, surtout au tour 3, si on peut le choper en ligne de vue. Et on peut quasiment le one turn sans problème, à mon avis, puisque les Kras n'ont pas beaucoup de raids en général. Et d'ailleurs, sur notre stuff, je l'ai pas dit sur notre stuff, mais en vrai, les raids sont pas horribles du tout. Je n'ai même pas d'ivoire. Et je vais vous montrer les raids tout de suite.
Sans ivoire, je suis à 30, 27 all. Donc si tu mets un ivoire, tu rajoutes 4. Enfin, ça va pour un mode un peu. Enfin, c'est pas un mode troll, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, on est contre un cratère. Donc il a beaucoup de res air, parce que ça c'est normal, les mots terre donnent beaucoup de res air. Mask Cthulhu, Capology, Arc Chaloice, tout ça, c'est des items qui donnent 10% air. Donc même sans effort, il aura beaucoup de res air, c'est le cas, il est à 44. Mais c'est largement gérable pour autant, je pense. Comme d'habitude, le jeu se transforme en PowerPoint au bout d'un moment, c'est pas grave. Il termine en ligne de vue, on va pouvoir le taper un petit peu. On va tirer éloigné maintenant, je pense que ça sera fait. J'ai pas grand chose à faire tout, hein. Je pense qu'on va tirer éloigné. Deux dévorantes. On va balancer une rappel dans le tas. Et on va aller se cacher loin. La balise rappel, ça servira pour la représailles, encore une fois. C'est bien de la mettre vers lui, parce que lui va sûrement. Je sais pas trop ce qu'il va vouloir faire, ça dépend s'il joue à cuite absolue ou pas. Ok, il va tuer la rappel. Ce qui est bien joué, je pense. Je pense qu'il a raison de le faire. Et on va voir s'il joue à cuite absolue ou pas. J'ai pas suivi. Pour l'instant, il a rien lancé des deux. On peut pas le savoir. Il met l'œil de taupe, mais j'ai tiré éloigné, donc c'est pas très grave. Et nous aussi, on va remettre l'œil de taupe, je pense. Juste, il faut à tout prix garder la balise tactique pour le tour 3. C'est le plus important. Il est dans l'état dévorante de ok. Faut pas la claquer maintenant. Bon, à ce tour-là, du coup, j'ai pas de dinguerie à faire, honnêtement. Je vais mettre l'œil de taupe, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Ce qui peut être sympa, c'est de charger la massacrante sur sa balise. Ça pourra peut-être servir. Donc on va massacrante là-dessus. Hop, et on va mettre l'œil de taupe. Si j'arrive à choper la ligne de vue, voilà, nickel. Parce que s'il joue acuité absolue, là il peut pas nous taper. Hein. Il n'aura pas la portée. Tout simplement. Donc là, si j'arrive à le choper en ligne, j'ai ma massacrante qui est prête. Donc ça c'est parfait. On va voir si c'est possible. Est-ce qu'il a la portée? Ok, je tire éloigné. Donc là il aura assez normalement, pas de problème. Et je pense qu'il va vouloir se caler ici. Normalement, il y a une ligne de vue où il est. Hein. Normalement, il y a clairement une ligne de vue où il est. C'est bien joué. Alors, est-ce qu'on peut. On fera pas le kill, c'est quasiment sûr, puisqu'il a 44% de res air. Mais est-ce qu'on arrive à faire un tour correct au moins ou pas? C'est la question. Je peux massacrante. Bon, non, c'est un peu galère. On va plutôt faire des dévorantes du coup. Donc, on va go. Une dévorante sur lui. En vrai, je peux sentinelle. Hein. Après, le truc, c'est qu'il me restera deux PA qui vont pas être très utiles. Mais allez, autant sentinelle. En vrai, c'est plus drôle. C'est plus drôle, let's go, sentinelle, on met une dévorante sur lui, une dévorante sur sa balise. Enfin, heureusement qu'il a 44% air quand même. Hein. Parce que là, on tape du 1600 sur du 44% air. Comme quoi, quand même, le stuff fait des bons dégâts. Là, on peut pas en douter. Je n'ai même pas de tir puissant ou quoi. C'est vraiment du 1585 sans crit sur du 44% de résistance AG. Donc, imagine un petit peu le Saïda tout à l'heure qui avait genre 15% air si je lui mets la même chose, quoi. En vrai, on peut gagner, je pense, parce que là, je pense pas qu'il nous termine. Il a peur de nos représailles. Même s'il nous représaille, je crois qu'on peut le tuer. On va voir s'il le fait. Ouais, il va aller là, mais regardez, juste, il va aller dans le coin là. Mais regardez, juste la balise ici. Concentration, flèche de recul, et comme quoi, tout va bien. Regarde, hop. Alors, je sais pas si j'ai les dégâts, parce que c'est vrai que je suis en bas nébuleux là. C'est vrai qu'on est en bas nébuleux. Est-ce qu'on a les dégâts? Ça va se jouer sur des. Est-ce qu'il en est à combien dévorante? Non, il a pas d'état. Ça va se jouer sur des crits, peut-être. Après, j'ai pas de crits sur ce build. Ça ne le tuera pas maintenant, malheureusement. Ah, bon, c'était bien tenté. Franchement, on s'est bien battu contre ce Kra. Qui devrait nous terminer normalement. Quoique, il a même pas de. Il a même pas de flèche punitive ce tour-là, tiens. J'aurais limite pu représailler moi-même, en vrai, pour essayer de gagner. Bon, c'est pas grave, honnêtement. On s'en fout un peu. Tu sais que c'est même pas dit qu'il nous tue. Mais je pense que si je mettais la représailles. Non, il nous tuait quand même, parce qu'il aurait pu faire la même chose. Ouais, ça change. Ah, quoique. Franchement, il va nous tuer de très. S'il crit, il tue pas parce que j'ai des récrites. Bah tu vois, c'est ce que je viens de te dire. S'il crit, il tue pas parce que j'ai des récrites. Il a crit, il a pas tué. Ah, j'avais le petit poison quand même, heureusement. Donc ça passe pour lui. Le combat était marrant, c'était bien. Mais bon, le principal, c'est qu'on a vu des bons gros 1585 sur du 44% de res. Donc c'est vraiment le but du mode. Hein. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un mode qu'il faut faire si tu veux gagner. Enfin, en vrai, Kraer, c'est très bien. Enfin, franchement, Kraer, pour gagner plein de colis et tout, c'est très bien. Mais t'as pas besoin de forcer autant avec des, tu vois, genre l'équilibriste et tout. Mais pareil, pour le nébuleux, pour moi, n'est pas nécessaire si tu veux jouer Kra'er. D'ailleurs, Kra'er, je pense qu'un conseil, si vous voulez le jouer de manière viable, il y a l'ébène qui peut être très bien si vous jouez avec flèche harcelante, parce que c'est le genre de truc que tu peux caler facilement au tour 1. Je l'ai pas sur moi, mais tu mets ta balise, tu flamiches dessus, tu mets deux harcelantes sur le mec, tu le touches forcément parce que t'as pas de ligne de vue, et tu lui mets des dégâts de poison comme ça tous les deux tours. Soit je pense que vous pouvez croiser des cras qui font ça, des fois ça arrive, et en vrai c'est fort. Mais bon, comme je l'ai dit, pour moi faut pas jouer en nébuleux si vous voulez tryhard. De toute façon, le nébuleux c'est quasiment jamais viable, enfin, il y a des cas où c'est viable, mais le nébuleux vraiment c'est pas un dofus très viable de manière générale dans le jeu. Ça va être viable sur par exemple bah, les cratères parce que c'est tous les deux tours. Des fois les yop avec la précis, des fois les Ekka avec l'odorat, mais globalement,
Moi, je vous déconseille le Dofus Nébuleux. Si vous voulez tryhard ou quoi, c'est pas un bon Dofus. Mais c'est un Dofus fun, parce que bah, quand tu fais des vidéos de bourrin, tour 3, tu tapes fort. Voilà, voilà, on va enchaîner pour un prochain combat. On a l'initiative, ça tombe très bien. Alors, par contre, tour 1, du coup, j'ai pas grand-chose à faire, puisque je n'ai pas la portée. Enfin, est-ce que je peux au moins mettre une dévorante? Ah, je peux pas. J'ai oublié de mettre... oui, il y a un sort que j'ai oublié, c'est... flèche de repli. Mais ça, c'est un peu dommage. Bon, tant pis, on va faire 100. On va faire 100, genre juste ma portée rapidement. Bon, on va full avancer. Je pourrais pas mettre de dévorante, malheureusement, il me semble. J'aurais pas la portée. Ouais, il manque une case. On va mettre deux concentrations, c'est mieux que rien. Et pourquoi pas une petite empoisonnée, hein. J'ai rien d'autre à faire. Malheureusement, il manque un de PO. J'ai combien de PO sur le software? Je dois avoir 4, un truc comme ça. 4 ou 3. On va regarder ça tout de suite. Ah, j'ai 4 de portée. C'est vrai que ça manque un peu le pas avoir le tir éloigné. Limite, il faudrait jouer flèche magique, hein, mais bon. Ok, on va nous taper un petit peu, tranquillou. On lui a déjà fait mal en vrai. Hein. Deux flèches concentration comme ça dès le tour 1. On lui a déjà fait du moins 1000. Hein. Un petit faisceau, tranquillou. C'est vrai qu'il va régénérer un petit peu tout ce que j'ai tapé s'il en refait un. C'est possible qu'il refasse un second faisceau. Non. Okay, oui, il avait pas pris la bonne zone, ok. Il va interruption. Et il termine. Ok, il termine ici. Là, je peux charger quand même mes massacrantes. Hein. Donc ça, c'est pas mal. En vrai, j'ai envie de faire massacrant double dévorante, là. Hein. C'est comme ça, j'ai tous mes sorts chargés, là. La massacrante est chargée. Je peux le représailler ou pas? Non, je peux pas. La massacrante est chargée et tout. Je pense qu'on va même s'avancer, hein. Tant pis si... Faut pas qu'il nous tue maintenant, quoi. Le truc, c'est que si je recule, c'est limite, ça l'aide plus, quoi. On va full rush. Hein. On va flip. En gros, on va essayer de faire risquer et qu'il nous tue pas maintenant. S'il full tap. Parce qu'il va full taper, mais je sais pas s'il fait les dégâts. On va voir ça tout de suite. Ça dépendra peut-être des crits. Il tape très fort, il n'y a pas de problème. Parce que sinon, il va le choper, là. Ok, crit pas. Je pense qu'il fait pas le kill avec 3 PA. Et là, il faut qu'on le one turn. Hein. Par contre, ça va être un peu dur, quand même. Ça va être un peu délicat de le tuer. Oh, je peux mettre des trucs dans le portail, par contre. Ouais, problème c'est que le mieux à mettre dans le portail c'est sur une balise. Mais en gros. En gros, je peux faire quoi? Je peux faire flèche dévorante ici. Et après, faut que je fasse sentinelle et dévorante là, je crois. On va flip comme ça. Voilà, nickel. Oh, ça tue pas de très peu. Oh, let's go, c'était marrant. Et je faisais un meilleur jet, ça passait. Les prévenus sont buggés, pente. Mais en gros, ouais, c'est ça le truc qui est pas mal avec, avec les portails héliotropes. C'est que si tu mets une dévorante dans les portails comme ça sur l'invocation, ça augmente les dégâts. Bon, bah, le beau jeu. On aura proposé le beau jeu. Malheureusement, pas le meilleur jet. Je pense que j'aurais pu faire plus opti, peut-être. Il y avait sûrement, franchement, à refaire le tour si j'avais un milliard de temps à réfléchir. Je pense qu'il y avait moins de faire le kill. Mais bon, on s'en fout. On a mis un gros dégât, c'était bien marrant. 3000 dégâts là, on lui a mis sur la dévorante. Mais les prévisus sont full buggés, parce que j'allais dire, j'ai fait un mauvais jet, mais en fait, je crois que les prévisus sont buggés. Ça disait que je tapais plus fort. Mais bon, c'est pas grave, on a tapé du 2900 pour 3 PA. Pas mal. Bien joué à l'IE3, on aura proposé le beau jeu. Mais clairement, comme je vous disais, si vous aimez bien Cryer, si vous aimez bien le gameplay, c'est clairement viable, mais juste, ne mettez pas d'offusteuse, mettez une vraie cape. Mettez genre un pretech si vous avez pas de pretech, je sais pas, mais mettez un ivoire, par exemple. Mais voilà, parce que là, je suis dans les extrêmes de dégâts. Mais le mode de base est vraiment ok, hein, si vous aimez bien. De toute façon, crasse, il y a tout qui est jouable. Hein. Le mieux reste sûrement tyrannique, mais tu peux jouer terre, tu peux jouer haut, tu peux jouer air, tu peux jouer feu. Tout est viable sur Kra, la classe est très forte actuellement, donc faites-vous plaisir. Si vous aimez bien le gameplay Kra Air, bah, n'hésitez pas, c'est quand même très fort. C'était Sapo, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, à vous abonner. Bonne soirée tout le monde, et à la prochaine.